Nous développons le concept de résidence mobilité sur la côte atlantique pour répondre à des besoins spécifiques identifiés par les partenaires sociaux et renforcer ainsi le lien emploi-logement. Face aux crises qui s'enchaînent, Action Logement Service adapte ses aides en faveur des salariés en difficulté. Nous l'avons fait en 2020 à l'occasion de la crise sanitaire. Cet été, un dispositif d'urgence a été mis en place en direction des familles évacuées lors des incendies dans le sud-ouest. Enfin, nous mettons actuellement en place un fonds d'aide pour soutenir les locataires du parc social face à l'augmentation du coût de l'énergie. Domo France est engagé dans la transition énergétique, écologique et carbone, et notamment sur la rive droite à Bordeaux, où dans le cadre des grands projets urbains, nous menons une politique de déconstruction forte, mais avec une logique de recyclage et de réutilisation et de réemploi des matériaux récupérés sur la déconstruction. Un bel exemple de savoir-faire en maîtrise d'ouvrage direct pour Immobilier Atlantique Aménagement, c'est la Gore, c'est la Rochelle, sur lequel on a des chantiers en cours avec des niveaux jusqu'à E3, C2, donc des très bons niveaux d'énergie positive et d'économie de carbone, dans lequel on a des choix d'ossature bois, on a des choix de pompe à chaleur collective, de photovoltaïque, mais aussi de triple vitrage. Donc on essaye vraiment d'aller au plus loin possible. À travers le programme Action Cœur de Ville, Noalis s'engage en réhabilitant des bâtiments vacants dans les centres anciens de nos villes. En redonnant vie à ce patrimoine historique, nous participons à la revitalisation de nos territoires. Et ce sont déjà près de 400 logements qui ont vu le jour en Nouvelle-Aquitaine grâce à cette coopération entre Noalis et Action Logement Service. Domo France est engagé en matière d'accession sociale à travers le bail réel solidaire sur l'ensemble de la région Aquitaine. C'est un enjeu extrêmement important pour beaucoup de couples dans leur parcours résidentiel et c'est un moyen de les resolvabiliser en permettant une accession à la propriété 30 à 40% en dessous du prix du marché. Nous développons une gamme de logements premium, principalement sur l'aire urbaine bordelaise, mais également au Pays Basque et au sud des Landes, destinée en priorité aux salariés d'entreprises privées et plus particulièrement à ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas accéder à du logement locatif social. Sur Bègle, Clercienne a racheté un espace en lien avec la ville à une confrérie religieuse de 4 hectares, donc un potentiel tout à fait intéressant dans lequel un parc va être rendu au public avec la ville, mais aussi tout un projet d'inclusion par le handicap, avec de l'accueil de personnes en handicap avec leurs accompagnants, dans une sorte de village de l'inclusion. Et puis on aura un peu plus loin, sur ce parc aussi, des logements familiaux. Sur l'exemple des jardins culinaires, on va travailler sur la possibilité d'aller chercher des solutions innovantes pour les personnes âgées qui vont occuper à la fois le logement familial de la résidence intergénérationnelle, la résidence autonomie et les logements occupés sur le territoire de l'Orne. Chez Noalis, nous sommes convaincus que prendre soin de ses collaborateurs, c'est prendre soin de la société. Pour faciliter la communication avec eux et entre eux, nous avons mis en place un réseau social interne, Steeple. Cet outil de communication facilite le travail en commun en rapprochant nos territoires. L'implantation du nouveau siège régional d'Action Logement et de son agence bordelaise a été choisie à la faveur d'objectifs bien précis. Tout d'abord, offrir à nos équipes des conditions de travail optimales, mais aussi faciliter l'accès à nos locaux par les transports en commun pour nos collaborateurs, mais aussi nos clients, nos partenaires, puisque nos bureaux sont situés dans un secteur à proximité immédiate de la gare SNCF, des lignes de tramway et de mobilité douce. Innover pour les entreprises et les salariés. Contribuer à la vitalité économique des territoires. Agir pour la qualité de vie et la cohésion sociale. Participer à la transition écologique. Être à l'écoute de nos collaborateurs. Être au service de nos parties prenantes.